au revoir. On va parler écologie à présent. Ne pas gaspiller, réduire ses déchets, les trier, autant de thématiques qui peuvent paraître rébarbatives aux plus jeunes. Mais la compagnie du Chapiteau Vert propose un spectacle aux enfants des écoles de l'Oise. Camille Di Crescenzo et Clément Jean-Pierre. Non, parce qu'avec Bouffetou, on a regardé. Et on a vu que dans le ventre de Bouffetou, on mettait encore plein d'emballages, du plastique, plein de choses, tout mélangé. Des morceaux de verre, des canettes, du carton. Bouffetou est très en colère. Bouffetou, c'est cette poubelle, la star du spectacle. Et dans son ventre, il y a tout et n'importe quoi. Les enfants ont une heure pour apprendre à trier les déchets et lui rendre le sourire. Il se trouve que c'est les enfants. Il se trouve que ce sont des consommateurs. Il se trouve que malgré que ce soit des enfants, ils ont un rôle à jouer. Et c'est ce qu'on essaie de leur passer comme message. Que même à 5 ans, même à 10 ans, à 11 ans, à vous les enfants de bien apprendre à papa et à maman. Est-ce qu'on a le droit de jeter des habits à la poubelle? Interdiction, parce que les habits on peut les recycler. Le public des élèves de l'école de Grandvilliers est sensible aux grandes causes. Regardez, vous entendez, chaque année on jette 400 kilos, là il y a 400 kilos d'enfants. Ça faisait au début tout le poids, il y avait mes copines et puis les enfants qui, et puis ça faisait tous les enfants qu'il y avait sur scène, ça faisait 400 kilos. Métaphore pour enfants, l'idée fait son chemin, les élèves retiennent la leçon. Eh bien, c'est la bonne réponse. Il faut mettre un stop pub sur la boîte aux lettres. Il faut avoir le sac à toile de jus ou un truc comme ça. Et de recycler. Dernière séance de révision avant de reprendre le chemin de l'école. Bouffetou est content. Le message est passé. Le message se résume à le meilleur déchet, c'est le déchet qui n'existe pas. La planète a envie.